Merci encore pour la grâce d'être ensemble, d'être ici, Seigneur. Nous voulons nous recommander à ta grâce, Seigneur. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, nous t'invitons. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous soupirons véritablement pour toi, Seigneur, pour ta présence. On veut juste toi, on désire juste toi, Seigneur. Soupirer, te réclamer, que tu puisses prendre le contrôle de ce temps, prendre le contrôle de ce moment, que tu puisses agréer tout ce que nous allons t'offrir. Ce que nous allons offrir aujourd'hui, Seigneur, c'est nos cœurs qui confessent, qui proclament, déclarent que véritablement que tu es notre Dieu et que nous espérons en toi. Disons juste Saint-Esprit, nous t'invitons juste cette fois. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est notre prière, c'est notre désir ce matin de t'inviter. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oui, nous soupirons. C'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on désire, c'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous invoquons. Nous voulons que tu prennes le contrôle pleinement de cette journée, Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit. Oui, nous t'invitons, nous te réclamons, nous soumirons pour toi, au Esprit de Dieu, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons ce matin, tu habites en nous, c'est vrai. Tu veux nous vivre plus qu'habiter en nous. Tu veux prendre le contrôle de nos vies. Tu veux prendre le contrôle de notre cœur. Et tu veux en cette année conduire mon frère, ma soeur sur un chemin sûr. Sur un chemin précieux. Sur un chemin que toi, Seigneur notre Dieu, tu as prévu. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te désirons. C'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, oh, nous t'invitons. Nous ne pouvons rien, Seigneur, incapable de faire quoi que ce soit, incapable même de prier. Est-ce que tu dis que tu viens au secours de nos faiblesses lorsque nous prions? Et ce matin, plus que jamais, Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est toi qu'on veut, c'est toi que nous réclamons. Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu vivant, Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette vie qui circule à nous. De vie, Seigneur Père, qui fait la différence. Alors soufflons-nous, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te désirons, nous te réclamons, nous t'invitons, Saint-Esprit. Oh, c'est toi qu'on veut, c'est toi que nous désirons, c'est toi et toi seul, Saint-Esprit, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, c'est toi qu'on veut. En le contrôle, viens faire toute la différence, viens changer l'atmosphère. Que cette journée, que ce soit une journée miraculeuse, et des journées extraordinaires, une journée où on passe avec toi. Nous t'en prions, prends plaisir encore ce matin à nos chambres, notre Dieu Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous t'invitons, nous te désirons. Saint-Esprit, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on désire. Oh oui, Saint-Esprit, nous t'invitons. Maintenant, on va dire la suite. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Amen. 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 Et sur cette journée, disons-nous. Tu veux nous donner, alors nous disons viens, viens. Oh, sois libre, au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh, cette année, nous t'invitons, oui, nous réclamons.
Saint-Esprit, oui, nous t'invitons. Nous invitons. Nos cœurs qui viennent venir. Sans la musique, sans les micros, viens régner tous ensemble. Sois libre, Saint-Esprit, dis-lui, nous t'invitons. C'est toi que nous réclamons. Sois libre, oh. Oui, nous t'invitons. Viens régner, viens régner. Sois libre, Saint-Esprit, nous. Père, reçois l'honneur. Sois libre. Esprit de Dieu, oui, nous t'invitons. Oui, sois honoré, viens régner. Sois invité dans nos vies, sois invité dans nos cœurs saints. Esprit de Dieu, oh, oh, oh. Milieu de nous, oui, nous, encore une fois, viens régner. Sois libre, oh, milieu de nous, oh, Esprit de Dieu, mais nous t'invitons, oui, viens régner. Élevons la voix et demandons l'Esprit de Dieu. Invitons l'Esprit de Dieu. Honorons l'Esprit de Dieu. Qu'on puisse faire la différence encore ce matin. Qu'il puisse prendre plaisir à ce moment de culte, à ce moment où nous voulons, nous désirons le rencontrer. C'est lui qu'on veut, c'est lui que nous désirons. C'est toi, Yahvé, c'est toi, notre Seigneur. Nous voulons nous disposer pour toi. Oui, prends plaisir à ces moments. Entends nos prières. Entends, Seigneur, le désir. La requête que nous avons, le rétablement simplement te rencontrer ce matin. Esprit de Dieu, nous t'en prions, fais du bien. Viens glorifier le nom de Jésus ce matin. Et sache que tu es désiré. Sache que c'est toi qu'on veut. Personne d'autre. C'est toi que nous désirons. Oh, le Dieu nous t'en prions, fais toute la différence. Viens glorifier le nom de Jésus ce matin. Mon frère a une attente, mon frère a un désir ce matin. Alors Seigneur, fais-le du bien. J'ai, Seigneur, cette soif de toi. Alors fais-le du bien. Nous avons, Seigneur, l'eau. Tu dis que celui que tu honores sera bon. Celui qui t'honore soit lui-même honoré, c'est-à-dire qu'il bénéficiera de ta présence. Alors sache, Saint-Esprit, que tu es honoré dans ce lieu. Alors prends le contrôle ce matin. Et dis toutes choses pour la gloire de Dieu. Et si nous t'en prions, agis au milieu de nous et fais au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Merci Saint-Esprit de t'avoir ainsi invité, ainsi prié. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons l'Esprit de Dieu. Acclamons l'Esprit du Seigneur en ce lieu. Oh, merci notre Dieu. Amen. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'avoir ces nouveaux horaires de culte. Amen. Et je vois que nous sommes un peu plus nombreux aujourd'hui au premier culte. Donc si tu n'as jamais vu ton voisin au premier culte, tu dis ça va, on est ensemble. Dis-lui ça va, on est ensemble par la grâce de Dieu. Notre
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour les chants par la grâce de Dieu? Amen, bien-aimés. Quelle joie de voir ce que Dieu est en train de faire dans ce précieux mois de janvier, premier mois de l'année. Amen. Premier mois de l'année où le Seigneur nous a donné une instruction, le Seigneur nous a donné un principe, qui est le principe de la recommandation. C'est-à-dire, comment vivre une année différente, comment vivre une année excellente, une année précieuse avec Dieu. Il nous a donné de comprendre le principe de la recommandation. Selon qu'il est écrit en psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. J'aime la version français courant qui dit « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. » Retiens bien, il fera le nécessaire. Alléluia. Et on a expliqué que recommander son année, cela veut dire tout simplement dédier son année, la confier à Dieu, cela veut dire offrir son année à Dieu. Par là, je montre que je fais pleinement confiance au Seigneur de prendre soin de mon année. Imaginons que tu as un objet et que tu dis à quelqu'un, je te confie cet objet. Et tu, en faisant cela, tu lui dis, j'ai confiance que tu vas prendre soin de cet objet et j'ai confiance que tu vas tout faire pour que cet objet reste en bon état et que tu puisses me le rendre comme il faut. Et lorsqu'on dit « je recommande mon année », je dis au Seigneur, je n'ai pas la capacité par moi-même de prendre soin de mon année, mais toi, tu as la capacité de le faire. C'est-à-dire cette année, je la confie à Dieu, je la remets entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est capable de prendre soin de cette année par la grâce de Dieu. Amen. Donc la recommandation, c'est cet acte simple par lequel on vient devant le Seigneur dans la prière afin que nous puissions lui remettre notre année. Et c'est ce que nous avons fait pendant cette première semaine et nous allons continuer dans cette deuxième semaine de jeûne et prière. Et vendredi soir, nous aurons un temps de prière, un temps d'intercession, mais aussi un temps où on va prier pour les situations, pour les maladies. Il y a un temps d'imposition des mains, il y a un temps d'impactation. L'impactation, ça veut dire quoi? C'est que tu as besoin d'une puissance pour cette année. Tu vas la recevoir dans cette semaine et pendant la veillée dans le nom de Jésus. Alléluia! Tu as besoin de force. Tu vas recevoir cette force pendant cette veillée par la grâce de Dieu. Donc vendredi, nous serons là. Toute la semaine, nous sommes là, 19h30 à 21h. Et vendredi, à partir de 23h, nous serons là pour une veillée spéciale de prière. Et quelqu'un a dit, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu auparavant, fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. C'est vrai que par le passé, il y a quelques années, on avait déjà fait une fois les 12 jours avec toute la famille à personne chrétien. Mais là, la famille à personne chrétien, il y a les différentes campagnes qu'on fait. Mais là, c'est spécialement pour nous. Parce que quelque chose doit se passer pour nous, quelque chose doit se produire dans notre vie en cette année 2024. Alléluia. Rappelle-toi, 2024, on a dit, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. 8, le chiffre des nouveaux recommencements. Des choses que Dieu n'a pas fait de... Enfin, c'est-à-dire que Dieu va faire les choses de manière différente. Vous savez, par exemple, dans les traditions, on prend toujours l'aîné pour que ce soit lui qui prenne la tête de la famille. Mais David était le 8e de sa famille. Alors que Samuel est parti pour oindre le roi, il n'a pas qualifié l'aîné, il n'a pas qualifié le 2e, il n'a pas qualifié le 3e, il n'a pas qualifié le 4e, ni le 5e, ni le 6e, ni le 7e. Mais il a qualifié le 8e, celui qu'on avait mis de côté, que personne ne faisait attention. Alors bien-aimé, si on t'avait mis de côté hier, aujourd'hui c'est différent. C'est toi qui seras mis en avant. C'est toi qui seras utilisé par Dieu parce qu'il est le Dieu des nouveaux commencements par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je voudrais prendre le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour la mobilisation de cette semaine. 185 personnes en moyenne le matin à 5h du matin pour prier et intercéder. Waouh! Excellent, incroyable. Waouh, merci Seigneur. Et le soir, on était une centaine la semaine sur place, soit une centaine connectées sur Zoom. Et le vendredi, on était à peu près 200 personnes. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Si ton voisin, tu vois que son visage est un peu différent, c'est qu'il n'a pas participé.
Mais dis à ton voisin, c'est pas un problème. Dis-lui, c'est pas un problème. Dis-lui, c'est pas un problème. Alléluia. C'est pas un problème. Il y a une deuxième semaine pour toi. Alléluia. Parce que, bien aimé, durant cette semaine, on doit persévérer dans la prière. Romains 12, verset 2 nous dit, « Réjouissez-vous en espérance. » Se réjouir en espérance, c'est-à-dire, bien aimé, même si tu as l'impression de vivre quelque chose de difficile, réjouis-toi parce que tu anticipes la victoire que tu vas avoir par la grâce de Dieu. Il dit, « Soyez patient. » C'est-à-dire, demeure fermement dans l'attente de Dieu. Soyez patient dans l'affliction. Et il dit, « Persévérez dans la prière. » Colossiens 4, verset 2, il dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » On va comprendre ce principe aussi. Il dit, bien aimé, que cette semaine, tu dois persévérer. La même soif que tu as démontré cette semaine, démontre la même soif dans la deuxième semaine et tout le long de l'année par la grâce de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, je nous vois avoir des grandes victoires dans le nom de Jésus parce que nous allons persévérer dans la prière. Et ce matin, nous voulons appuyer aussi une attitude qu'on doit manifester alors que nous recommandons l'année dans la prière. On a dit le psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel. » Et la deuxième chose, il dit « Mets en lui ta confiance. » Donc ici, on veut mettre l'emphase, on veut préciser, on veut mettre l'accent sur le fait que Dieu nous dit que lorsque je recommande l'année, il y a aussi une attitude de cœur que je dois avoir. Et l'attitude de cœur que je dois avoir, c'est une pleine confiance en mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que prier, recommander ne suffit pas, il faut aussi l'attitude de cœur qui va avec. Et la Bible nous avertit des mauvaises attitudes de cœur, notamment en Matthieu 6, versets 7 à 8. Il dit, Jésus, il dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ici, il fait une comparaison avec ceux qui appartiennent à Dieu et les païens. Les païens ne veulent pas dire ceux qui sont athées, mais les païens veulent dire ceux qui adorent d'autres divinités, qui adorent des divinités, des idoles. Parce que la particularité de ceux qui adorent des idoles, ils ont une idole, un dieu pour tout, un dieu de la fécondité, un dieu de la richesse, un dieu de la paix, un dieu de la joie, un dieu de bien pour bien dormir, un dieu pour bien manger, un dieu pour bien se marier. Et il multiplie toutes sortes de prières. Ici on fait ceci, ici on donne ceci, ici on donne cela, on va donner à manger au bois. Et des fois ils sont obligés de prier, se disant bon, si le dieu de la richesse ne répond pas, je demandais le dieu de la provision. Si le dieu de la provision ne répond pas, je demandais le dieu des relations. Si le dieu de la relation ne marche pas, le dieu des entourloupes. Toutes sortes de dieux, toutes sortes de vaines prières, mais on dirait que le dieu là, les dieux là ne répondent pas. Mais nous, on a un dieu qui n'est jamais occupé, qui est toujours disponible, qu'on peut appeler à toute heure de la nuit, à toute heure de la journée. Il est le véritable Dieu. Alléluia, il est le véritable Dieu. Et rappelle-toi, on a vu avec l'apôtre Ivan, notamment dans le vendredi, on a réécouté le message, et on a prié et Dieu a fait tellement de grandes choses. Alléluia. Il a réécrit les choses en nous. Il a enlevé de nous l'iniquité. Et on a dit que la plus grave forme d'iniquité, l'iniquité, c'est la transgression des lois, c'est l'idolâtrie. On doit adorer un seul et un seul Dieu. Ce verset nous dit, ne multiplie pas les vaines paroles. Mais je veux préciser, ne pas multiplier les vaines paroles ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de longues prières. Dis à ton voisin, il faut faire des longues prières. On doit faire des longues prières, bien-aimés. Pourquoi faire des longues prières? Première chose, les longues prières, c'est ce qui te permet de remporter la bataille sur l'ennemi. Alléluia. La Bible nous dit en Exode 17, verset 11, que Moïse, il y a Amalek, donc un ennemi du peuple d'Israël, qui a attaqué le peuple. Et pour avoir la victoire, Moïse est monté sur la montagne. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse élevait les mains, c'est-à-dire qu'il était en train de prier, Josué, le peuple d'Israël, avait la victoire sur Amalek. Mais dès qu'il baissait,
Amalek semblait avoir la victoire sous Moïse. Ce qui te montre, bien-aimé, les batailles dans la vallée sont remportées à la montagne. C'est-à-dire que les batailles dans le naturel sont remportées dans le spirituel. Et le combat a été rude, mais Moïse a soutenu par Aaron et Hur parce qu'ils se fatiguaient. Deux hommes sont venus l'aider à pouvoir élever les mains. C'est-à-dire qu'en cette année 2024, tu auras des partenaires de prière avec toi. On va prier avec toi par la grâce de Dieu. Donc il dit ici, des fois tu dois faire des longues prières pour avoir la victoire. Et le peuple d'Israël a eu la victoire sur Amalek. Amalek, c'est l'esprit de dépression. Dans le nom puissant de Jésus. Si l'esprit de dépression t'avait abattu les autres années, en 2024, tu as la victoire totale sur lui dans le nom de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons. Victoire pour nous, victoire pour nos enfants, victoire pour notre postérité au nom de Jésus. Dis avec moi des longues prières. Dis avec moi des longues prières. Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire des longues prières aussi pour l'accomplissement des prophéties que tu as reçues. Alléluia. Bien-aimé, bien que Dieu ait parlé, bien que Dieu ait annoncé la chose, bien que le prophète ait annoncé, il faut prier. Amen. En 1 Roi 18, Élie annonce quelque chose au roi Akab. Mais je crois qu'il annonce ceci aussi à quelqu'un aujourd'hui. Au verset 41, Élie dit, « Mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » J'ai dit, Élie a dit qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, il se fait un bruit qui annonce la pluie. J'ai dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie de moi, la grande moisson, la pluie de la bénédiction. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Élie déclare cette prophétie au roi Akab. Et une fois qu'il a déclaré la prophétie, Élie sait que Dieu se tient derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Il le sait. Mais pour que cela puisse se réaliser, Élie n'est pas resté là à croiser les bras. Non, pas du tout. La Bible nous dit ceci au verset maintenant 43. 43, il dit, Élie dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, et je vais plutôt voir verset 42, pardon. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet de Carmel, c'est-à-dire qu'il alla prier, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Bon, ça, ce n'est pas une doctrine. Hein. Donc, quand tu as besoin de prier pour recevoir une prophétie, il n'y a pas besoin de... C'est juste l'attitude de prière. Okay, mais dis-moi, amen. Verset 43, et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda. Et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, retourne. C'est-à-dire que Élie est resté dans la prière pour demander à Dieu, Seigneur, tu m'as poussé à annoncer que la pluie arrive, tu as annoncé une prophétie en cette année 2024, donc moi, ce que je dois faire, c'est de continuer à prier, de m'attendre à quelque chose se passe. Je vais regarder, ça ne semble pas bouger, l'attitude des enfants n'a pas changé, ma situation n'a pas changé, mais je continue à prier, je continue à intercéder, je continue à faire des veilles, je continue à m'attendre au Seigneur, je regarde encore la situation, elle n'a pas changé, où ça a commencé à bouger un petit peu, mais je continue à prier, à intercéder encore et encore, jusqu'à quand, pasteur, jusqu'à ce que tu puisses percevoir dans le ciel qu'il y a un petit nuage qui semble venir, mais ce petit nuage annonce une pluie abondante, annonce le salut de ta famille, annonce la transformation de ta vie, annonce la guérison, la bonne santé. Que quelqu'un me dise un mot, amen. Car la septième fois, verset 44, il dit, le serviteur, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Bien-aimé, prépare-toi 2024, tu vas avoir une moisson abondante dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Prépare-toi, tu vas avoir une moisson abondante dans le nom puissant de Jésus. Prépare tes danses, prépare tes cris de joie, prépare tes chants d'allégresse, parce que voici, cette année, ça annonce une moisson abondante dans le nom puissant de Jésus. Ça annonce une nation, une moisson abondante dans le nom de Jésus. Et verset 45,
en peu d'instants, bien-aimé. Il y a des choses qui prennent le temps à se manifester, mais le moment où ça a commencé, le moment où ça a commencé, il y a accélération. Alléluia. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et une forte pluie. Acab montant sur son char est parti sur Israël. Et la main de l'Éternel fut sur... Sur Anita, sur Alain. Sur qui? La main du Seigneur fut sur Sergi. Alléluia. La main du Seigneur fut sur Sergi. Et Sergi se mit à courir rapidement. Prendre telle ville. Prendre tel village. Tel territoire. Oui, la main de l'Éternel fut sur Sergi. Quelqu'un me dit un peu amen. Que cette année tu cours plus vite dans le nom de Jésus. Que cette année tu ailles plus fort dans le nom de Jésus. Que cette année tu ailles plus haut. Quelqu'un me dit un peu amen. Dis à ton voisin des longues prières. Alléluia. Amen. Prenons place. Tu dois faire des longues prières, c'est pour ça qu'on a pris 12 jours. Tu dois faire des longues prières parce qu'en 2024, tu vas prendre des décisions majeures. Il y a des décisions majeures que tu vas prendre en 2024. Et le Seigneur devait prendre une décision majeure, celle de choisir 12 disciples. Et la Bible nous dit en Luc 6 qu'il pria toute la nuit afin de pouvoir choisir ses disciples. En 2024, tu vas faire des veilles parce qu'il y aura des décisions importantes à prendre. Mais qu'est-ce qui est bon avec Dieu? Il va nous donner la bonne décision à prendre dans le nom de Jésus. Parce que tu vas prendre le temps pour le chercher par la grâce de Dieu. Tu dois faire des longues prières. Et pourquoi tu vas, pour terminer, pourquoi tu dois faire encore des longues prières? La Bible nous dit ceci, 2 Timothée 1, verset 6 à 7. L'apôtre Paul examinait Timothée, examinait Yann. Il observait, Yann, tu as reçu un don. Tu as reçu des grâces. Ma soeur, tu as reçu un don. Tu as reçu des grâces. Mais où sont ces dons? Où sont ces grâces? Comment ça se fait qu'elles ne se manifestent pas? Parce qu'on peut recevoir un don, bien-aimé, peut l'avoir mis de côté, ou ne pas l'avoir protégé, ou avoir laissé les circonstances, les situations faire diminuer le don. Se dire, mais Seigneur, tu m'avais dit don de prophétie, don de guérison. J'ai prié pour le malade, il n'a pas été guéri. J'ai prié pour la personne, il n'a pas été ressuscité. Bien-aimé, je te conjure, je te dis, comme dit l'apôtre Paul, dit à Timothée, 2 Timothée 1, verset 6, il dit, je t'exhorte à ranimer le don. Je t'exhorte à ranimer le don. Je t'exhorte à croire ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il dit, ranime le don que tu as reçu par imposition de mes mains. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, non, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Qu'en 2024, que le don du Saint-Esprit soit ranimé en toi. J'ai dit que le don du Saint-Esprit soit ranimé en toi. Que le don du Saint-Esprit soit ranimé en toi dans le nom de Jésus. Il te donne un esprit de force afin que, quelles que soient les adversités, tu puisses résister par la grâce de Dieu. Il te donne un esprit d'amour parce que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin que tu puisses démontrer l'amour lorsqu'ils vont te persécuter, l'amour quand ils vont t'accuser. Bien-aimé, tu sois rempli d'amour cette année. Amour pour tes ennemis. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tes ennemis. Oui, oui, tu vas rendre grâce à Dieu pour tes ennemis. Il faut des ennemis dans la vie. Parce qu'un ennemi, il t'épie. Un ennemi, il te regarde. Donc à cause de ça, tu es obligé de donner le meilleur. Alléluia. Amen. Et que cette année, Dieu te remplisse de sagesse. Que Dieu te remplisse de sagesse. La sagesse, c'est savoir quoi faire au moment où il faut le faire. C'est aussi la sagesse de savoir quoi ne pas faire. Alléluia. Que cela soit avec toi dans cette année, dans le nom de Jésus. Ranime le don par les longues prières. Alléluia. Donc ce verset nous dit qu'on doit, on a compris qu'on doit faire des longues prières, mais ne pas multiplier les vaines paroles. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les vaines paroles signifient, pourquoi on parle de vaines paroles? Parce que des fois, on veut prier, on dit Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Mais le problème, ce n'est pas la multitude des mots, c'est l'attitude de cœur. Matthieu 6, versets 31 et 32. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, car toutes ces choses
ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Rappelle-toi, tout à l'heure, je t'ai expliqué, les païens, ce sont ceux qui prient différents dieux, ils ont un dieu pour tout. Et ils multiplient les différents dieux parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne seront pas forcément exaucés. Mais toi, il te dit que ton Dieu n'est pas seulement l'Éternel, le Dieu de gloire, il est tout ça, mais il est aussi ton Père. Alléluia. C'est-à-dire que quand je viens recommander cette année, je viens avec l'attitude que je me présente, pas, comme je dis, pas seulement devant l'Éternel, mais véritablement devant celui qui est mon Père. Ce n'est pas un Dieu anonyme. Non, non, je m'adresse à mon Père. Je m'adresse à Papa. J'aime cette image qu'un jour le pasteur Senogua a donnée. Il dit, quand tu dis l'Éternel, c'est comme si tu disais que tu viens devant l'Élysée ou devant la Maison Blanche, tu dis je veux parler au président. Et lorsque tu dis cela, on va te regarder, ok, pas de problème. Est-ce que vous avez rendez-vous avec le président? Est-ce que vous avez observé le protocole pour pouvoir rencontrer le président? Il y a tout un protocole, tu ne peux pas aller à l'Élysée comme ça. Bien que je sais que tu as envie d'aller dire à Macron un peu certaines choses, mais tu ne peux pas aller à l'Élysée comme ça. Alléluia. Mais par contre, si le président, si le roi, c'est mon papa, je viens, je dis bonjour, je désire voir papa. Alléluia. Et dès que je dis ça, ils réalisent que non, c'est le fils du président. Alléluia. Donc ils doivent tout faire pour que je puisse voir papa. Amen. On est d'accord ou pas? Donc tu dois voir papa. Alléluia. Et même quand ils vont aller voir le président, ils disent, monsieur le président, il y a votre fils qui veut vous voir. Si papa est un bon père, il va s'arrêter, il va stopper, il va dire, il faut que je voie mon fils. Si mon fils veut me voir, c'est que c'est important. Alléluia. Donc Dieu, lorsque je viens devant lui, quand je dis, Éternel, Dieu des miracles, Dieu de puissance, El Shaddai, il va dire, bon, c'est qui m'appelle? Quelle est son attitude? Est-ce qu'il a été droit à 100%? Tout un protocole. Mais dès que je dis papa, Dieu s'arrête. Il dit mon fils m'appelle. Moi je suis le père par excellence. Je suis père par excellence. Donc je suis obligé de m'arrêter et de venir voir ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Tu dois le voir comme ça. Parce que Jean 1, verset 12 nous dit que. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ne sont plus nés ni de la chair du sang, mais qui sont nés de Dieu. C'est mon papa. Alléluia. Dieu est mon papa. Donc quand je m'approche de lui, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, on a, pour beaucoup, on a des pères naturels qui sont bons. Moi, mon père, par la grâce de Dieu, mon père, c'est un bon père. Un jour, j'ai eu un problème, il est électricien, retraité maintenant. J'ai eu un problème ici à l'église. J'ai dit, papa, j'ai un problème à l'église. L'électricité a sauté. Il dit, ah bon? Il dit, mais je suis en route sur quelque part, mais j'arrive. Mon père est venu. Il a laissé tout ce qu'il avait fait, il est venu. Il était ici en train de chercher à trouver la solution. J'ai dit, papa, tu veux manger? Il dit, non, il faut que je trouve la solution. Son ami l'a appelé. Hé, hey, mon père, non, je ne vais pas te dire sur son nom, c'est secret ça. Moi, je peux le dire, il s'appelle Dynamique. Parce qu'il est dynamique, mon père. On l'appelle, viens Dynamique. Il répond. Il dit, on a rendez-vous. Il dit, non, je suis avec mon fils ici. J'ai un truc à régler ici. Et il a cherché à régler le problème. J'ai dit, mais tu ne peux pas manger et boire? Il dit, non, tant que ce n'est pas résolu, je ne bois rien, je ne mange rien. Alléluia, amen. Tant que ce n'est pas résolu, je ne mange rien, je ne bois rien. Donc on n'a pas résolu, il est rentré. Le lendemain, il est revenu. Il faut qu'on trouve.
Après, on l'a trouvé par la grâce de Dieu. On l'a trouvé par la grâce de Dieu. Amen. En hébreu, papa, c'est Abba, qui définit que on doit avoir Dieu comme notre source. On doit avoir notre Dieu comme le pourvoyeur. On doit avoir Dieu comme celui qui nous protège et qui nous garde. On doit avoir Dieu comme celui qui prend soin des personnes qu'il a engendrées. Alléluia. C'est devant papa que tu te présentes. Alors quand je viens devant papa, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tranquille. Je suis en paix. Je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Et surtout, je sais qu'il va m'entendre. Je sais qu'il va me ouvrir l'accès à sa présence. Le pasteur Sanogo encore raconté, toujours dans cette illustration du père, il dit quand son fils rentre dans son bureau, il dit « Papa, ça va ?» Le fils, il vient « Ouais, papa, comment ça va ?»« Oh, papa, qu'est-ce que tu fais ?» Le fils, en même temps, il ouvre le frigo, il boit et tout. « Papa, je peux boire, je prends ça. » Des fois, il ne demande même pas, il prend. Parce que c'est le fils. Il sait qu'il a accès. Alléluia. Bien-aimé, tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Quand il me dira, mais pasteur, je ne suis pas parfait. Vous savez que le père, des fois, il peut être fâché. Tu vois? Mon père, que, encore une fois, mon père. Et des fois, je lui demande. Et des fois, je sens que ça le contrarie. Mais il vient quand même. Il dit, ah, toi aussi. Et il vient. C'est ça un père. Même s'il peut être fâché, mais jamais il ne refuse l'accès à son fils, à sa présence. Alléluia. De la même manière, tu as un papa. Tu as un papa. Même si tu n'as plus de père aujourd'hui naturel, tu as un papa céleste. Même si ton père n'a pas été excellent, mais tu as un papa céleste par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc quand je m'approche de lui, je suis heureux, je suis content. Je suis joyeux, je suis serein, je suis certain qu'il va faire quelque chose pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Et lorsqu'on comprend qu'il est papa, c'est-à-dire que aussi que mon bien-être, c'est sa priorité. Comme pour mon père, il se fichait de manger, se fichait de boire, tant que mon fils n'était pas bien. Amen. Et je ne te parle pas des choses qui se sont produites il y a des années. C'était juste l'année dernière. Donc je suis quand même quelqu'un qui a... Bon, je suis encore jeune, par la grâce de Dieu. Mais on n'est plus ados. Mais l'amour du Père ne change pas. Quel que soit l'âge que tu as, quelles que soient les fautes que tu as pu faire, tu restes l'enfant de papa. Tu es l'enfant de papa. Alléluia. Et... L'apôtre Ivan l'a illustré aussi par un témoignage au sujet de sa fille Sarah, donc sa fille, sa plus grande fille. Sa fille avait bien réussi les études et il avait promis à Sarah qu'elle pourrait partir, notamment c'était à Cotonou, pour la conférence des jeunes qu'il y avait à Cotonou. Et donc du coup, elle dit, sa fille dit, bon, okay, je vais partir avec le pasteur Gislain, donc c'est un de nos pasteurs à Kinshasa qui justement intervenait là-bas. Donc il dit, je vais partir avec eux, très bien. Et donc Sarah arrive tranquillement à l'aéroport et tout ça, et elle appelle ses parents. Il dit, papa, je ne suis pas sur la liste de voyage. Comment ça, tu n'es pas sur la liste de voyage? Je suis arrivé à l'aéroport, je n'ai pas vu mon nom sur la liste. Et pasteur Yvan lui dit, mais pasteur Gisèle n'a pas pris ton billet. Tu as dit que tu allais avec eux. Il dit, eux, ils ont dit que tu pensais que c'était toi qui allais prendre le billet. Donc en fait, elle n'avait pas eu de billet du tout. Ok. Donc, elle a dit, papa, moi, il faut que j'aille à Cotonou. Et pasteur Yvan était aussi un bon père. Est-ce qu'on peut acclamer le modèle qu'il est pour nous? Amen. On bénit Dieu. Oh, acclamons. Dieu nous a donné des bergers selon son cœur. Des exemples par la grâce de Dieu. Donc, sa fille lui dit ça. Papa, tu as promis que je pourrais aller à Cotonou. Quand papa promet, papa doit accomplir. Papa doit faire. Papa doit réaliser. Alléluia. Amen. Parce que si c'est l'Éternel, c'est conditionné à des si. Mais quand papa a dit, papa, il faut que tu fasses. Donc, pasteur Yvan a rouspété.
mais il a dit, je devais le faire pour ma fille. Donc il a cherché un billet pour elle expressément, et il n'y avait que des billets en première classe. Donc il a utilisé ses mailles et tout, il a payé le billet en première classe, afin que sa fille puisse arriver jusqu'à Cotonou. Bien-aimés, nous proclamons qu'on va payer des billets en première classe pour nos enfants. Quelqu'un me dise un mot, amen. On rentre dans ces dimensions, que quelqu'un me dise un mot, amen. On rentre dans ces dimensions, au nom de Jésus. Je te voyais prêt à recevoir la parole. Je te voyais prêt à recevoir la parole. Alléluia. Donc le billet est pris. Sarah arrive à Cotonou par la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas de billet de retour encore. Et Sarah, pendant tout cela, tout ce temps, elle a vécu sa best life, comme disent les jeunes. C'est-à-dire sa meilleure vie. Elle appelait son père, je suis avec Dena Moana, en train de faire ci, on a évangélisé, en train de faire cela. Après, et le pasteur dit, mais tu rentres comment? Elle dit, je ne sais pas papa, c'est toi qui vas gérer. Le pasteur Yvan était en retraite. Mais il a dit, j'ai passé mon temps à chercher un billet pour ma fille, pour qu'elle rentre. Alléluia. Donc en gros, il était capable de mettre de côté certaines occupations afin de pouvoir prendre soin de sa fille. Afin de pouvoir prendre soin de sa fille. Alléluia. Ça, c'est un Père terrestre. À combien plus forte raison le Père céleste. À combien plus forte raison le Père céleste. Combien plus forte raison le Père céleste. Alléluia. Amen. Donc, le verset nous dit, Matthieu 6, verset 33, verset 32, pardon, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Amen. Donc le Père le sait. Mais donc du coup, dans la prière, pourquoi on va faire de longues prières? Parce que bien aimé, dans les longues prières qu'on va faire, première chose, on va rendre grâce à Dieu. Une attitude, je sais que tu es papa, que tu es celui qui veut mon bien-être. Alors Seigneur, je te remercie. Parce que même si aujourd'hui j'ai des douleurs ici, même si j'ai un mal, même si les médecins ont prédit certaines choses, ont annoncé certaines choses, ont vu certaines choses, je te fais confiance, Seigneur, que tu pourvoiras à ma guérison. Je te fais confiance parce que tu vas l'établir dans le nom puissant de Jésus. Pour cette année, Seigneur, je ne m'inquiète pas parce que j'ai foi et confiance, Seigneur, notre Dieu, que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Seigneur, même si, Seigneur, c'est à la dernière minute, je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Bien-aimé, j'avais un besoin financier d'un certain montant. Et je disais, Seigneur, comment tu vas faire? Mais j'avais foi en ce que le Seigneur allait faire. Et je devais résoudre ce besoin financier à la fin du mois. Un jour est passé, deux jours est passé, je ne m'inquiétais pas. Un autre jour est passé, une ressource est venue. Mais ce n'était pas le montant total. Après, un autre jour a passé, une autre ressource est venue. Et au fur et à mesure, ça a accompli. Mais je ne m'inquiétais vraiment pas. Je dis, Seigneur, je sais que tu vas pourvoir. Amen. Cette année 2024, ne t'inquiète pas. Dieu va pourvoir. Ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Alléluia. Et si tu regardes les autres années, Dieu a pourvu. Notre Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. C'est vrai que tu avais peut-être désiré le Gucci, mais Dieu ne te pourvoit pas en fonction de tes désirs, mais de tes besoins. Le Gucci, ce n'est pas pour tout de suite. Parce que si tu allais venir, l'orgueil aurait été trouvé dans ton cœur. Mais il a pourvu à tes besoins. Il pourvoit à nos besoins. Et notamment nos besoins de chaque jour. Fais-lui confiance pour le pain quotidien. Fais-lui confiance pour la grâce quotidienne. Fais-lui confiance pour la puissance quotidienne. Fais-lui confiance pour aujourd'hui. Demain aura soin de lui-même, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je ne m'inquiète pas. Je sais que demain, il y a des challenges. Je sais que la semaine prochaine, il y a des choses qui t'attendent. Ne t'inquiète pas. Sois simplement dans l'action de grâce pour dire merci Seigneur. J'ai un Père auprès de toi. Tu te soucies de mon bien-être.
ton bien-être et même ton fardeau. Mon bien-être, pardon, et même ton fardeau. C'est-à-dire que Dieu veut prendre soin de toi. Alléluia. Et on vient dans la prière, bien-aimé, donc j'ai dit pour rendre grâce à Dieu, pour montrer notre confiance. Mais on vient aussi dans la prière, bien-aimé, pour proclamer, annoncer ce que Dieu a dit. Parce que papa, étant esprit, étant dans les cieux, il a besoin d'un de ses fils ou une de ses filles pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. C'est pour ça que les prières que nous faisons, tantôt Dieu nous a dit de prier contre l'esprit de mort. Tantôt Dieu nous a dit de prier et d'annoncer qu'en cette année 2024, la lumière va surpasser les ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas les vaines paroles. On entend ce que papa dit. Ce que papa dit, nous le prononçons, nous le proclamons et nous le déclarons. Alléluia. Et Dieu qui se tient derrière la parole de ses serviteurs, et tu es un serviteur ou une servante de Dieu, il accomplira la parole. Alléluia. Donc cette semaine, on va venir avec une attitude d'action de grâce, avec une attitude certaine que Dieu va répondre à nos besoins, avec une attitude que parfois, j'ai prié pour quelque chose. La réponse n'a pas eu la forme que je pensais, mais je réalise que la réponse que Dieu a donnée était meilleure. Pas seulement pour moi, mais pour une multitude qui devait être bénie au travers de moi. Alléluia. Amen. C'est ça aussi Dieu. Fais-lui confiance que lorsque la réponse n'a pas l'aspect que tu penses, c'est la meilleure réponse pour toi. Alléluia. Amen. On est d'accord ou pas? Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Et avec notre Père, des fois, il fait pas un peu exprès, mais comme si un peu. Oui, il ne dit rien. Il ne semble pas agir, pas parler. Mais c'est comme un père. Quand tu es avec tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Cache-cache. Tu te caches un peu. Tu te caches un peu. Et le fils, il va te chercher, il va te poursuivre. Et tu sais que le fils n'a pas la capacité de te rattraper parce qu'il est petit. Mais à un moment donné, c'est toi qui vas t'arrêter et c'est toi qui vas maintenant le serrer dans tes bras. C'est la même manière avec Dieu. C'est la même manière avec Dieu. T'as l'impression qu'il est lointain. T'as l'impression qu'il t'arrive pas à le trouver. T'as l'impression de tâtonner. T'as l'impression d'être perdu. Mais en fait, non. Il regarde. Est-ce que mon fils ou ma fille va poursuivre la poursuite, va chercher véritablement? Quelqu'un qui a un livre qui s'appelle Chasseur de Dieu. Je prie que tu sois un chasseur, une chasseuse, on dit, une chasseuse de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu recherches véritablement Dieu. Donc pendant ces 5 jours qui restent, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche-le jusqu'à le trouver. Amen. Alors revenons sur notre passage de Psaume 37, verset 5. Il dit, première chose, recommande ton sort à l'Éternel. Ou remets à Dieu ta vie. Remets au Seigneur ta vie. Deuxième chose, il dit, mets en lui ta confiance. Et troisième chose, il dit, il agira. La version Bible français courant dit, il fera le nécessaire. En d'autres termes, Seigneur, la pression, elle est sur toi. La pression, elle est sur toi, Seigneur. Seigneur, la pression, elle est sur toi. Pour ce qu'on a fait ici, pour les prières qu'on a fait, la pression, elle est sur toi. C'est-à-dire, bien-aimé, que Dieu lui-même, il a la pression parce que on sait, dans la prière, on a dit, Seigneur, tu vas agir. Alléluia. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois manifester tes grâces et tu dois manifester tes bontés. En d'autres termes, bien-aimé, Dieu agira et Dieu s'en occupera. Alors, on lui a recommandé l'année entre ses mains et on va continuer cette semaine. Moi, je ne m'en fais pas. Ça va aller par la grâce de Dieu. Pour les travaux de l'église, ça va aller. Ça va aller par la grâce de Dieu. Pour les autres églises qu'on va ouvrir cette année, ça va aller par la grâce de Dieu. Alléluia. Pour les âmes qu'on va gagner, ça va aller par la grâce de Dieu. Ça va aller. Dieu va s'en occuper. Alléluia. Et voisin, pour ta situation, Dieu, ça va aller. Dieu va s'en occuper. Dis à ton voisin, ça va aller. Il va s'en occuper. Il va agir. Il va agir. Il va agir.
dans le nom de Jésus. Dieu n'est-il pas merveilleux pour nous? Dieu n'est-il pas merveilleux pour nous? Amen. Alors, bien-aimés, je vais vous proposer quelque chose. On va prier papa ce matin. On va prier papa. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes une mélodie qui parle de papa? Alors, bien-aimé, là où tu es, commence à exalter mon Dieu qui est véritablement ton Père. Je l'ai les mamos, c'est l'ai les mamos, c'est l'ai les mamos. Je l'ai les cal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 
t'adore en esprit en vérité. S'agit de te reconnaître comme Père. S'agit de te reconnaître comme source. S'agit de te reconnaître comme pourvoyeur. S'agit de te reconnaître comme celui qui prend soin. S'agit de te reconnaître comme Abba. S'agit de te reconnaître comme Pater. Comme le Père par excellence. Oh, j'ai foi en toi. J'ai foi en ta capacité. J'ai foi en ce que toi tu peux faire et réaliser. De tout mon cœur, oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oui, toute ma vie, je t'adore. Toute cette année, nous allons t'adorer. Cette semaine, nous allons présenter devant toi, pour dire nous avons confiance en toi, en ta capacité. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Maintenant tu vas élever la voix contre toutes ces pensées qui avaient colonisé ton cœur, qui avaient fait un état de siège sur ton cœur, en te disant que Dieu est trop loin, en te disant que tu n'es pas assez digne, en te disant que tu ne mérites pas la présence de Dieu, en te disant que tu as été oublié par Dieu. L'amertume avait frappé à la porte de ton cœur. L'inquiétude avait frappé à la porte de ton cœur. Car l'inquiétude, bien-aimé, annule la foi. L'inquiétude annule la foi. Mais ce matin, que le bras de l'inquiétude, que le bras de la dépression, qui avait fait un état de siège sur ton cœur, qu'il soit brisé ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous prions, nous intercédons ce matin, afin que tous ceux qui avaient mis tout ce qui avait été mis comme ténèbres dans nos cœurs, comme état de siège, pour nous empêcher de croire que Dieu est capable, pour nous empêcher de croire que Dieu est notre Père, ce matin dans le nom de Jésus, Père, que le bras du méchant soit brisé dans le nom de Jésus, Père, que ce cœur soit totalement libre pour t'adorer, pour croire en toi, pour avoir confiance en toi, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je prie pour toi, mon frère. Ce matin, je prie pour toi, ma soeur. Je sais que tu te sens faible. Je sais que tu te sens alourdi. Je sais que tu as l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Mais ce matin, un renfort vient ce matin. Ce matin, un renfort vient pour t'amener auprès de papa. Pour t'amener auprès de papa. Aie confiance en lui. Ce n'est pas terminé. Dieu est notre Père. Il va pourvoir, il va prendre soin. Son bien-être et ton bien-être est sa priorité. Il va agir dans ta vie. Il va accomplir un miracle, prodige, signe. Il va t'offrir une vie merveilleuse. Aie confiance en lui. Ce matin, une main vient pour te relever et vient pour briser la main du méchant dans le nom puissant de Jésus. Père, ce matin, que tous les états de siège dans nos cœurs soient terminés dans le nom puissant de Jésus. Que l'amertume soit enlevée ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que les marauds chitent les marauds. Je sais que tu as foi en Dieu. Je prie pour ce petit domaine-là. Ce petit domaine-là qui est dans ton cœur, qui est là cadenassé. Ce petit domaine-là, tu as dit non, ça j'ai oublié. Bien-aimé, Kate, les bons cités, les mamans. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ce qu'il annonce, et ce qu'il promet, il le fait, il le réalise. Alors ce matin, Père, dans le nom de Jésus, redonne la foi pour ce domaine. Redonne une ferme assurance pour ce domaine. Solidifie quelqu'un dans ce domaine-là. Comme il est écrit, tu es l'auteur et de la foi et c'est toi qui l'amènes à la perfection. Ce matin, redonne à mon frère de réentendre les paroles annoncées pour ce domaine, les prophéties proclamées sur sa vie. Parce que Seigneur notre Dieu, tu as dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai de la foi? Oui, Père, nous avons foi en ce que tu es capable de faire. Alors que mon frère soit relevé dans ce domaine, que ma soeur soit fortifiée dans ce domaine, que la foi devienne ferme, forte dans ce domaine.
dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, notre espérance n'est pas, Seigneur, en un homme, mais notre espérance est en toi. Alors, Père, quels que soient nos soucis, tu t'en charges. Seigneur, c'est ton problème. Notre santé, c'est ton problème. Nos enfants, c'est ton problème. Notre église, c'est ton problème maintenant. Nos finances, c'est ton problème. Les mariages à venir, c'est son problème. Oh non, Jésus, Seigneur, c'est ton problème. Maintenant, tu t'en charges. Si tu t'en charges, nous, on ne s'inquiète plus. Nous, on reste dans l'action de grâce. Et on va entendre tes paroles pour les proclamer, pour les déclarer dans le nom de Jésus. Père, que cette semaine soit une semaine de rencontre, une semaine d'intimité, une semaine de proximité, une semaine où tu nous parles, où tu nous révèles les choses, où tu murmures à nos oreilles. Une semaine, Père notre Dieu, de visitation dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu vas faire cette semaine. Nous te l'avons recommandé, on a mis notre confiance en toi, alors nous savons que tu vas agir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître. Merci pour tout ce que tu vas faire et accomplir au milieu de nous. Oh, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, cette semaine, je t'en prie. Dieu va te faire du bien chaque jour. Viens rendre témoignage. Dieu va te visiter. Donc viens rendre témoignage. Ainsi, la semaine va commencer avec des petits témoignages. Mais les témoignages augmentant la foi, on va terminer dans l'apothéose par la grâce de Dieu. C'est-à-dire dans un bon moment excellent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Audio.